Salut! Alors là, on va faire la deuxième partie du vlog. Et là, on est au 5 Terres et on est à Levanto. Du coup, vous allez pouvoir nous suivre des petites aventures au 5 Terres. Bisous! Ma mère a pris une salade de thon. Moi, j'ai pris des linguine avec anchois, avec petit bout de pignon de pain, etc. Mon père a pris des anchois frits. Bon appétit à vous! Salut, salut! Alors aujourd'hui, on va visiter les 5 Terres en train pendant. On va les visiter pendant 3 jours. Du coup, suivez nos aventures! Lisa, même en Italie, a des galères de train. Premier annulé et l'autre, il est en retard. On aime comme le Luxembourg. Hein. Les nectarines italiennes, elles sont super bonnes. En recherche du début de la randonnée. Bon, du coup, nous sommes un petit peu en galère pour trouver l'endroit où il faut acheter les billets pour la randonnée. On s'est retrouvé là. Enfin, les billets, faut passer la tente de douane. La douane. On s'est retrouvé là, il fallait visiter un château, mais on ne veut pas visiter de château. Du coup, bah, on marche. Oh, on a le droit à une superbe vue. J'aimerais bien habiter là-bas. C'est bon, on a trouvé le chemin. Yeah! On n'a plus qu'une envie. C'est de sauter dans l'eau. T'es heureux la descente? Bah, ça va. Le mytho. Civilisation, et je pense que on doit arriver là-bas à Corniglia. Du coup, bah, il nous reste 1,7 km. Tu te sens comment? C'est trop dur. On n'est même pas arrivé à la moitié. Venez. Petite update, je me suis un petit peu tordu la cheville. Après l'épisode de piqûre de méduse, la cheville. Yeah! Alors, au final, ce sera pas le village là, je pense que ce sera le village là-bas. Petite update de notre randonnée, nous sommes bientôt arrivés, mais il est en train de pleuvoir. Ce qui est pas plus mal vu que ça nous rafraîchit. J'adore, on sent la pluie, c'est trop cool. Alors on a pris des fritures de anchois, de légumes et de fruits de mer. Et là deux focaccia, une focaccia deux. Après avoir repris des temps, on est dans un autre petit village, la Manarola. Aujourd'hui, c'est direction Monte Rosso qui est juste ici. Donc, je vais vous montrer un peu la ville après. Et peut-être que cet après-midi, on va faire une rencontre. Alors, voici l'hôtel dans lequel on va séjourner pendant quelques jours. Regardez, c'est trop drôle, il y a même, je pense, une petite chapelle. Et on y mange très très bien, apparemment, le soir. Du coup, on a décidé de ne pas faire la rando aujourd'hui et d'aller à la Spezia, donc qui est après les villas des 5 Terres, donc ça ressemble un peu à ça, pour l'instant. Voilà, on se balade au bord de la mer. C'est magnifique, hein. La pollution, bonjour. Alors là, on visite le dernier village de 5 Terres. Je viens de voir, j'aurais dû manger. C'est trop esthétique.
A few moments later. On a un lézard dans notre chambre. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Salut, moi c'est Max. Ah. Bah ouvre le truc, Lisa. Oui. Après l'après-midi à la piscine, un petit deux repas, saumon fumé et une petite salade pour l'entrée et aussi un petit bout de focaccia. En premier plat, c'est des penne au grondin qui est un petit poisson. C'est un rouget. En second plat, ma mère voulait de la viande. C'est une viandarde. Moi, j'aime bien la tomate mozza, c'est la 10e mozza que je mange. Et papa, il a pris du poisson. Quoi comme poisson? Je ne sais pas. Maman qui essaye de faire un selfie en 0,5 traversé. Montre. Bah, c'est carrément très beau. Ah oui, mais faudrait pas ça ici. Montre l'autre, celle d'avant. Oui, c'est pas ce café là. Nous sommes là, la première ville. On va faire le circuit là. Et hier, on a fait le circuit de Vernazza à Ornellia. Hello. Alors du coup, aujourd'hui, on va faire une rando. Donc, on va faire celle qu'on n'avait pas faite de Monte Rosso à Vernazza. Et du coup, c'est le premier village dans lequel on avait commencé la rando la dernière fois. Escalier. On va avoir un cul d'enfer. T'es prêt à avoir un cul d'enfer? Moi? Ouais. Oui, déjà. Le petit sentier comme ça, c'est trop bien parce qu'il fait bon. C'est bon, on est bientôt arrivé. Enfin, on vient d'arriver en fait. Cool. Avec de la figue, des anchois et une bourrasa. Je vous conseille. Là, tu as enfin trouvé la crème de café. Ouais, c'est Mathilde qui m'a dit. Mathilde, j'ai enfin pris la crème de café, je l'ai enfin trouvée. Regardez-moi la maison, ou je sais pas, avec la statue. Genre. Super cool. Hello. Alors aujourd'hui, ça sera une autre randonnée à Monte Rosso. Et voilà la petite vue déjà qu'on a. Et après, bah, je vous montrerai quand on sera arrivé en haut. Alors là, ça fait 20 minutes qu'on est censé arriver à la limite. Mais c'est toujours pas là. Enfin, on est à la piscine en fait. Et pendant le son de l'année. On peut pas jouer. Et bonne ta bière. Bon, petit verre de base. Hein. Est-ce que pour une fois, maman va refuser son plat? Parce qu'elle dit toujours que nos plats c'est de la merde et qu'elle c'est bien. Vas-y, vas-y. J'ai dit, je vais peut-être regretter mon plat. Goûte. Alors déjà je sors d'un séminaire de japonais, c'était très drôle avec l'école. Et là on arrive à Rapallo, mais du coup on cherche l'hôtel et on n'arrivait pas à chercher l'hôtel et il fallait se garer et c'était le gros bordel. Et là on tourne en rond et il fait chaud et c'est lourd. Du coup moi ça me fait rire mais ça me fait pas trop rire non plus. Voilà, du coup bah, je vais vous dire quand est-ce qu'on va arriver, j'espère qu'on arrive bientôt. On a trouvé, wesh. C'était dans des rues parallèles là et moi j'étais concentrée à envoyer des mails et tout. Yeah! Grâce à moi on l'a trouvé quand même. Hein. Là, on a rencontré ce monsieur. Alors ça c'est Sainte Margherita. Donc là on s'arrête 30 minutes. On doit prendre un autre bus pour aller à Portofino. Parce que là c'est un arrêt et si on ne veut pas payer les deux trajets, bah, on va s'arrêter là un peu et on pourra prendre la voiture dans un peu. Je sais pas si ça vous donne envie mais moi. Bon, faut partir de la pistache. Alors je trouve ça extrêmement beau. C'est super beau. Et les nuages sont magnifiques. Et la mer. Incroyable! Et là, bof. Alors, on est actuellement au Saint-Tropez italien à Portofino. Donc là, on va voir toutes les grandes marques. Je vais aller peut-être m'acheter un petit Vuitton ou un petit... Ah non, un petit Céline, c'est mieux. Et des petites chaussures Hermès, pas mal. Amman. Ouais. Ah bah tiens, je disais Céline. Et bah, c'est là.
Bon, on est au centre de Porticino, la plus grande place, j'imagine. Et voici mon yacht, je vous présente, ça s'appelle Mimi. Donc c'est celui qu'Adrien m'a dit qu'il allait m'inviter dessus, donc il l'a appelé Mimi parce que je suis trop mignonne. Du coup, merci Adrien, petite dédicace. C'est parfait. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère largement cette vue que l'autre avec les yachts et les maisons, genre la mer, quoi. La mer. En plus, on voit les vagues, et c'est trop beau. Avec le son. Ah ouais, t'es instagrammeuse comme moi. Waouh, mais ça ressemble à ce qu'il y a derrière. C'est ouf. Ah ouais, trop grave beau. Hello. Alors ce matin, avant d'aller manger, on est en train de visiter le jardin de la Villa Durazzo. Du coup, bah, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ça a l'air d'être très mignon. Et après, on va manger des pizzas, mais genre immense, vraiment immense. J'ai hâte. On n'a pas eu les grandes pizzas, mais du coup on a des fritures de légumes, de poisson, d'oignons, un carpaccio de saumon et d'espadon avec du citron. Et là on a différentes tartes, donc ça c'est une tarte au riz, ça c'est une tarte aux épinards, une tarte courgette, je sais pas, on sait pas trop, ouais. On verra. Voilà, ça a l'air très beau. T'es contente, t'as ton apple strudel? Et notre crème de café. T'as raison, Mathis, c'est super bon. Surtout que là, il y a du chocolat et des noisettes, j'adore. Je suis bien fan de ça. On a la 4 fromages. Ouais. De Bella Napoli. T'es contente pas? Youhou. C'est la fête à Rapallo, regardez. C'est grave bien, maman. Hein, c'est la fête foraine. C'est la Sugar Fire. Oh, des arancini, ouais. Il y en a plein. Waouh. Ah, moi, il y a ta paille. Oh, ma paille. Je vais manger une paille là. T'as la deg? Moi, j'ai la deg. Soirée en Italie, un petit orchestre pour nous. T'as ton doigt devant.